Comme tu peux le voir à la jauge d'eau, c'est monté un petit peu. Je sais pas trop ce qui se passe. Ok, il y a un truc qui a pété, à mon avis c'est une petite fleur. Ok, bon tout va bien. Juste l'île de fleur qui s'est dévissée. Kit de réparation pour une 106 de l'eau. Allez, t'as cliqué. Moteur. Ouais. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Sans déconner. Je suis dans un magnifique lieu pour présenter une magnifique voiture avec, attention, le propriétaire. Bonjour. Bonjour Dylan. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah, très bien, ouais. Très... Magnifique. Alors qu'est-ce que tu as de beau à nous montrer? Bah, une petite Integra Tipper, il paraît. Hein. C'est sympathique. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Que ce soit en Rasso ou autre chose. Bah, de toute façon, tu as eu 450 blanches en France, donc déjà avant d'en voir une, il y a très peu de chance et des impôts doivent peut-être pas y en avoir des masses. Putain, avec le décor le derrière, tu m'as amené à un endroit magnifique là par contre. Ah, on est obligé de venir ici. Vraiment, là pour le coup, t'as pas déconné. Tu peux pas présenter une voiture dans la région sans venir sur ce magnifique c'est château. C'est vrai qu'on est à. On est où ici exactement? On est à Saint-Priest-la-Roche. Ok. Dans le 42. Petite association. Ouais, c'est Croucars 42. Yes, qu'est-ce c'est qu'ils une font de beau? Association qui est basée du coup bah, sur la Loire principalement. Et pour ceux qui sont de la région, le 3 septembre 2023, si vous voulez, on organise une balade au roadbook. Yes. Donc bah, vous avez juste à contacter l'asso sur Insta. Et puis après, vous verrez directement avec les organisateurs. J'espère que ce sera posté avant le 3 septembre 2023 du coup. Ouais, pour ce qui est des recrutements, là c'est fermé jusqu'à janvier. Ok. Et du coup, c'est sur une adhésion de 6 mois à 30 euros. Voilà. Excellent. On est une trentaine. Un groupe Discord, un groupe Snap. Donc vous faites des rassos, c'est ça? Ouais, on fait tout. On fait des événements, des rassos, des balades. Yes. Il y en a qui sont partis honneur récemment. Oh putain. Donc. Ça, honneur, voilà. Ça doit être rigolo. Ça doit être très rigolo, honneur. Ouais. Mais déjà sur piste, à mon avis, ça va y aller. Ouais, déjà sur piste, il y a de quoi s'amuser. On va essayer de tourner à Vaison bientôt. Vu que c'est pas trop loin, ça a une heure de la maison. Ça pourrait le faire. Yes. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire debout sur cette voiture? Eh ben, pas grand-chose. Motorisation, tout ça. C'est parce un petit 1,8 litre de 190 chevaux, le petit fameux B18C6. Yes. Avec un autobloc dans la boîte. D'origine? D'origine, effectivement. Yes. D'origine 4, comme on dit. Il y a des barres anti-rapro d'origine à l'avant et à l'arrière. Des barres anti-rouille un peu de partout. Ouais, elle est vraiment balèze, quoi. Ça se défend bien. Parce qu'il y a eu des Integra normales. Il y a eu des Integra normales en Amérique, je crois. Et c'est vraiment pas ouf, hein. Je sais pas y'a quoi comme moteur là-dedans, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est en 4 portes aussi. Oh! C'est faut aimer quoi, c'est particulier. Ouais, ouais, bah écoute, parce que. Ouais, la Integra, je sais pas trop d'où ça sort. Tout ce que je sais, c'est que c'est un modèle assez mythique quand même. Ah bah. J'en ouais. ai vu dans Gran Turismo. Bah, en 4 minutes, on a le droit à deux choses magnifiques, la Coupe du Monde et l'Integra quoi. C'est ça. Les magnifiques Japan Racing. Ouais, c'est alors, des Rota avec un cache JR. C'est des quoi? C'est des Rota avec un cache JR. Ah ouais, d'accord. Cette petite spécificité. Bon bah ça marche aussi hein. C'est les répliques des gens en 16 pouces qui a d'origine sur les Integra au Japon. Ok. Parce que nous, on a le droit à des 15 pouces qui sont bah, du coup forcément et t'as mis, petites du coup, et moins un, jolies. Et t'as mis un cache Japan Racing. C'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire. D'accord. Mais ah, on va voir pour changer ça. Parce que c'est des Buddy Club P1 ou des CCR. T'as dit que tu l'avais depuis du coup avril, donc c'est tout depuis récent. Depuis fin avril, ouais. Donc bon. Ce cul. Ouais, il est monstrueux. C'est ma partie préférée. Ouais. Au Japon, ils ont une belle face avant qu'on n'en a pas eu. Mais bon. Ah bon, ils ont une face avant différente les Japonais? Ouais. Bah attends, je vais te montrer. Bah volontiers. Ah yes, il n'y a pas de réseau dans ce bled. C'est trop cool. C'est pas grave, je mets une photo là. Donc semi-slick. Ouais, les petits AD08R. T'es pas là pour enfiler des perles? Bah on se défend. Oui. Bah de toute façon, avec 190 chevaux, bah, voire peut-être après, un peu plus avec la ligne et l'admission comme tu disais. Bah quand j'ai acheté, l'ancien Procure avait fait un passage au bon à 197. C'est donc pas peut-être dégueu, que hein. Maintenant avec la ligne Mugen, je frôle les 200. N'empêche, d'un 1,8 litre, 200 chevaux. Enfin, ça commence à faire, même 190 ouais. D'origine, c'est quand même... C'est peut-être ouvrir le capot, je sais pas. Tu oui, bah oui, volontiers, Jeanne.
Bon, c'est pas très propre. On s'en fout, on n'est pas des puristes. Enfin, on n'est pas des puristes, mais pour l'instant, je monte que des caisses d'origine, toutes nickel, toutes pimpantes. Tiens. Magnifique. Du coup, voilà, les gros tuyaux, là, c'est pour radiateur. Tu dis que c'est pas propre. Il est très bien, ce moteur. Là, la petite admission Mugen. C'est un gros cône, mais entouré quand même de quelque chose. C'est ça, il y a une petite cloison, en fait, et elle chope l'air tout en bas. C'est quoi, ça? C'est la clim? Ouais. T'as la clim là-dedans? Ouais, elle a été rajoutée par l'ancien proprio. C'est vraiment un branleur, lui. Bah ouais, c'était un sudiste, hein. Bon, je viens du sud aussi, hein, mais bon. On est pas dans le sud, là? Non. Ah bon? Non, on n'est pas dans le sud, ici. Ces batteries, là. Non, mais... C'est une batterie de moto. Honda, va falloir m'expliquer, parce que, sans déconner, j'en ai fait deux. Les batteries sont minuscules. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Et ma 106, elle a une batterie plus grosse. Optimisation. C'est dingue. Je te laisse m'ouvrir la porte. Bah ouais, après vous, que... madame. Merci, monsieur. C'est bien, hein, bon. L'intérieur, on voit rien. On voit rien du tout. L'intérieur rarissime, que tout le monde s'arrache. Les raies d'origine dans l'intérieur. Oui, bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont rares. Dans les blanches, les sièges sont rouges. Et oui, c'est bien ce que je me disais, de base, ils sont rouges, ces trucs-là. Et, oui. Et dans les autres couleurs, ils sont noirs, sauf dans la jaune, qui est à l'intérieur jaune. Mais là, t'es sur une rareté... J'adore le jaune. Là, t'es sur une rareté plus. Les tapis, c'est d'origine? Non. Ok. Parce que ça va très bien avec la voiture. C'est les Joy Supply, qui sont plus dispo. Petit compteur qui monte jusqu'à... 10 000. Histoire 2. Ouais, 10 000, putain. Le pommeau d'origine. D'origine, ouais, qui est super lourd, vu qu'il est en titane. En titane? Ouais. Je me suis rendu malade. J'adore Honda. Et il paraît, c'est ce que j'ai vu sur les brochures, apparemment, le centre de gravité serait prévu dans le pommeau. Mais bon, ça, j'y crois pas de pro. C'est ce que j'ai vu dans une brochure. Une brochure Honda ou une brochure... Une brochure Honda japonaise. Donc bon. Après, les Japonais sont capables de faire ça, hein. Oui, ça m'étonnerait pas. Les mecs ont tellement le sens du détail qu'en règle générale... Ça serait pas étonnant. Ils seraient capables de te faire ça. Les stickos. Magnifique. Enfin, la voiture, elle a été repeinte il y a pas très longtemps. Ouais, ça se voit. Genre 2-3 ans, je crois. Faudrait c'est une vraie peinture ou c'est une peinture de branleur? C'est une vraie peinture, ouais, dans une cabine et tout. C'est bien. Si tu regardes de plus près, il y a 2-3 petites imperfections dans la peinture. Parce que ma Cupra, elle a été repeinte, mais mon gars... Ouais, bah, si, c'est pareil, hein. C'est une vraie peinture, mais faite par un branleur. Ouais, mais c'est ça, moi aussi. Hein. Forcément, ça se voyait un peu sur la Civic, quoi. Pourquoi? C'est le Japon. Mec, la truc, elle est plate. C'est un... Ouais, si, petite particularité. Quand tu dépasses les 200 km/h, il se relève. Et du coup, t'as un aérofrein. C'est très drôle. Vraiment? C'est très chiant. Oui, c'est très... C'est de la merde. Ouais, j'ai fait genre peut-être 2h30 de route avec un collègue pour aller dans un événement full tipper. On a pris 250 sur la route. Et piou. Et au bout de 30 minutes, il me dit, ça fait 30 minutes que t'as les essuie-glaces relevés. J'ai fait, ah, ok, c'est très bien. On va rouler, du coup. Bah ouais, il faudrait. Hein. Il manque plus que ça. Du coup, c'est à ton tour. Ah, c'est à mon tour, maintenant? Bon, bah d'accord. D'accord. J'accepte cette proposition. Allez. À tout de suite. Vas-y. Waouh. Est-ce que t'es grand? Un peu. Ça va. Après, pas... bouge, hein, les réglages, hein, t'inquiète. Hein. Tempé d'huile, on est bas. Ouais, voilà, elle a refroidi, ouais. J'aime bien. C'est Honda, ça. Ouais, l'embrayage, il est un peu chelou. T'inquiète. Waouh. C'est comme l'S2000, c'est ultra haut. Parce que l'S2000, hier, ouais, je faisais... patiner l'embrayage comme un gros connard. Déjà, la direction, elle est beaucoup plus dure. Tu sens la route. Ah bah oui. Ouais, c'est bien, tu sens la route. C'est bon. Et pédale d'embrayage ultra molle. C'est bien. Bah tu sens pas trop l'accélérateur, il paraît. Après moi j'ai l'habitude, mais... La pédale? Ouais, apparemment tu la sens pas de ouf. Ça va. Donc là tu peux aller à gauche, comme je te disais. Bon, jusque là rien à dire. Ce qui est bien, c'est qu'on sent la route. Plus que dans une Subaru, du coup. Plus que dans une S2000. L'avantage des tractions. Ah bah oui. Bon, j'ai l'impression que t'as un jeu bizarre à l'avant. Comme si t'avais une pression de pneu qui était pas bonne. Ah, ça c'est possible, ouais. Ça, c'est... j'ai cette impression là comme ça. C'est possible qu'il faille faire la pression parce que je l'ai jamais faite encore, mon dieu. Ah. Bon, Mika, c'est pour toi. Ah, si, on le sent le VTEC quand même. Ah, ouais.
préfère ça à la S2000. J'ai pas eu l'occasion de conduire la S2000 encore. Je préfère ça à la S2000. Peut-être en octobre si le collègue est gentil. Parce que S2000, trop. Trop et tu sens rien. Enfin, je me sens pas en sécurité dans cette voiture. Mais après, si t'as plus l'habitude de traction aussi, c'est. Ouais, ça aide, hein. C'est fort possible, mais. Parce que moi perso, j'ai eu que des tractions dans ma vie, j'ai conduit très peu de propu. Là, je me sens à l'aise. Et encore, quand j'en ai conduit, c'était l'histoire de. Peut-être aller 2 heures, même pas. Ouais. Bah moi j'ai ma Merco mais je l'ai pas en conduit très longtemps. Ouais, bon, l'embrayage est tellement haut gros. Bon, ça tu pouvais aller tout droit. Ah merde, bah, du coup j'ai suivi la map. Ouais mais c'est bien aussi par là. En vrai je sais jamais si c'est le 4-2-1 ou le 4-1-1 qui fait prendre plus de coupe. Moi non plus je sais plus mais. Mais quand il s'enclenche le VTEC c'est un engin de mort. Ah et puis tu le sens vite hein. C'est vraiment ouais une de mes préférées. Je me sens en sécurité dedans là. Là, si j'avais acheté ça et que je venais de l'acheter, enfin si je venais de l'acheter, je la foutrais en enfer. Puis ça prend 8000 ou 9000 de. 9000 ouais. Wow. Le docteur, il a 8008 je crois. Waouh. Et vu que l'aiguille elle est légèrement décalée, elle passe les 9000. Excellent. C'est pour ça qu'il y en a plein qui pensent que l'Integra va à 9000 tours, mais non. Ok. C'est que la S2000. Et que les phases 1, je crois d'ailleurs. Peut-être. Là, je vais refaire comme avec la S2000. Pile poil à 6000, et là, là. C'est moins choquant. Sur la S2000, c'est vraiment. La S2000, c'est on-off, comme tu disais. Wouhou! Ah, c'est pas mal, hein. Bien sûr que c'est pas mal. C'est dans la charte, c'est là. Bon là on va se laisser abattre. Mika, c'est pour toi Mika. Il arrive comme un cochon lui on dirait. Il y a des freins hein. Ah c'est une Golf. Il arrive fort. Ouais mais. Quand il s'enclenche le merdier, ouais. Elle est surcombinée ou pas? Non, vraiment ça d'origine. Il y a un truc dans les pneus gros. Elle chasse un peu de gauche à droite, elle est bizarre. Ouais, ou alors c'est d'origine. Hein. Ou alors c'est d'origine, mais moi je sens un truc dans le train avant qui me plaît pas. Non mais je le sens aussi. Hein. Ok. D'accord. Si je mets une 2 ça passe là. Wouhou, oui ça marche. C'est ce qu'il va aller faire. C'est ce qu'il va. Là il y a un stop. Ouais, en fait ça se conduit comme ça. Il n'y a pas un stop en fait, c'est juste une. Il n'y a plus pas un stop. Ouais, c'est comme ça que ça se conduit. Alors c'est jouissif. Il faut être dans le VTEC tout le temps en fait. Mais c'est utilisable à fond. Là-bas à gauche, je suis pas là-bas. Ouais, ça donne envie d'en acheter une. Bon, en fait, un peu comme tout. Mais ça, il y a quelque chose de supplémentaire. Je sais pas quoi. Il y a cette petite âme japonaise. C'est peut-être le truc traction qui fait. Traction plus autobloc, à mon avis, ça doit jouer. Ouais. Je pense que c'est ça qui doit jouer parce que je suis habitué aux tractions, du coup, je me sens bien. On a l'impression que c'est léger. C'est pas lourd en tout cas. C'est pas lourd, mais c'est pas léger. Voilà. C'est pas une sensation. Ça se défend bien. Ça marche juste bien. On va dire que la puissance rattrape. Oui. Bon mon brave, merci beaucoup pour le tour. Bah, merci à toi d'être venu. C'était super. Demain je repars, enfin ce soir je pars pour Strasbourg. Ouais, t'as un petit peu de route là quand même. Ouais, bon, c'est 6h. 6h, bon. Ça va être sportif, mais bon. Écoute. C'est une belle région aussi Strasbourg, tu vois. C'est montagneux ou pas? Non, pas trop. Bon. Ça dépend où tu vas en fait. Ouais, je vais à Strasbourg. On verra bien. Merci encore. Mais je te serre la pince. Et puis bah écoute. À une prochaine. Amuse-toi bien avec ce bijou. Ah, il est fort. Et puis merci encore. C'est un jour l'année ici quoi.
La quoi? Peut-être un jour la NSX. Ah, ça serait bien. J'en ai déjà vu une, mais jamais monté. 5000 balles la caisse actuellement. Waouh. Le temps d'avoir les sous, ça sera pas plus cher. C'est sûr. Bon, allez, au revoir. Tchuss. Bon, du coup, ce soir, c'était essai d'une Honda. Ce soir, qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui, c'était un essai du coup de Honda Integra Type R. C'était vraiment rigolo. Cette voiture a quelque chose de très spécial. Je sais pas quoi, mais elle a quelque chose de spécial. Et entre S2000 et Honda Integra, je sais pas. Donc là, ce soir, je fais la moitié du chemin pour aller vers Strasbourg, parce que demain c'est Strasbourg avec une R34 GTT. Je fais la route. J'ai 5h50, je pense que je vais faire peut-être 2h ou 3 et après je m'arrêterai dans un coin pour dormir. J'ai le pique-nique à l'arrière, j'ai le pique-nique à l'arrière pour manger. Voilà, que dire de plus? C'est à peu près tout. Je vais accrocher. Ok, les boys et les girls. Je viens d'arriver dans l'Est. Le décor est complètement différent. Là, je me crois dans les Sims. Ils vont peut-être m'insulter, les gens qui vivent dans l'Est, mais je me crois dans les Sims. C'est genre, c'est plat, il y a des champs à tout bout de champ, c'est le cas de le dire. Les murs sont en briques, je sais pas, moi ça me fait penser, bah déjà c'est un mélange de la Belgique un peu, ça ressemble au Nord, j'ai l'impression. Et je sais pas, moi ça me fait penser aux Sims. Voilà, excusez-moi les gars, le Sud ça me faisait penser au désert, l'Est me fait penser aux Sims. Voilà. Cette nuit j'ai été dormir un coup parce que j'en pouvais plus. J'ai fait, je sais plus combien de temps j'ai fait de route cette nuit. J'ai dû conduire peut-être 1h30, un truc comme ça. Mais j'étais mort, raide mort, du coup je suis allé me coucher dans une petite aire. Et en me réveillant, je vois ça. Parce que ouais, quand je conduis de nuit, c'est con parce que je vois pas grand chose. Et j'ai loupé pas mal de décors magnifiques en roulant de nuit. Donc là au moins c'est bien. Je vais aujourd'hui à Strasbourg, enfin les alentours de Strasbourg, présenter une R34 GTT. Ça risque d'être extrêmement drôle. Regarde, c'est la plaine des Teletubbies. Merde. Sur les cutéreux, je sais pas si on voit bien ma gueule. Je filme pas beaucoup de ce que je conduis, d'où est-ce que je suis, etc. Parce que je fais beaucoup de petites routes. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux vraiment m'arrêter tranquille pour filmer, parler un peu. Mais là, j'ai trouvé un bel endroit où je peux m'arrêter et filmer. Regardez ça. Franchement, il y a pire. Ça va. Ça va. Donc là, je suis très proche de Strasbourg. Je suis pas loin du tout, je m'approche dangereusement. Et bah là, j'ai trouvé cette... Je cherchais un petit coin pour m'arrêter parce que c'est quand même vachement beau. Et là, j'ai trouvé ça, cet endroit. Donc je vais faire quelques petites photos. Putain, là-bas, c'est extra aussi. En fait, là, je pourrais m'arrêter tous les 100 mètres pour faire des photos de la caisse. Bah, je vais faire quelques petites photos. Et puis, on se retrouve après. Allez, à toutes. Et bonsoir, je suis arrivé, j'ai été chercher une autre personne en route et je suis arrivé à la destination. Bonjour à vous. Je vous donne, tiens, je te donne le micro. Ah, c'est gentil. Tu peux le mettre dans ton t-shirt si tu veux. Ah, carrément. Eh oui. Ah, super. On est professionnel ici. T'as ça, t'as mon daily JDR et dans le garage t'as... Putain, ça fait longtemps que 4 motos et un trike. Ouais. Tranquille. Voilà. Eh ben dis donc, tu te fous pas de notre gueule, toi. Waouh. Voilà. Donc elle a pas de kit GTR, mais ça lui va à merveille. C'est une GTT, c'est pas une GTR. Ouais, mais t'as les mecs souvent qui quittent leur GTT pour que ça ressemble à une GTR. Ouais, mais ça, tu vois, c'est comme ceux qui ont des Golf 4 TDI et mec le pack R32 dessus, tu vois. Genre, faut arrêter, c'est ce que c'est, tu vois, c'est une GTT, c'est déjà bien, faut pas non plus... Donc, GTT, RB25. C'est ça le Néo, donc là t'as la version la plus énervée, turbo boîte méca, 300 chevaux, 400 Nm. T'as la GTR, t'es juste quoi, en dessous. T'as de quoi de créer... Ah putain, t'as de quoi de...
Non, ça va, ça suit bien et ça tient bien le pavé, ta roue arrière directrice et tout, dans l'école ça marche. Hein. Ah ouais. Dans l'école ça marche bien, c'est un peu lourd mais le poids il est bien réparti. C'est quoi, c'est une tonne 2? Oh, t'es plus à une tonne 4 hein, et quelques. Ah quand même. Les GT japonais ça pèse. Hein. Mais non, en fait t'as la GTR, t'es juste en dessous, sauf que là t'es en propulsion pure. Y a pas Ouah, de... les gens, t'es sont folles. Est-ce que c'est des JR? C'est ça. Non, parce que hier j'avais sur la fameuse Honda Integra, ouais, des cages JR sur des jantes d'origine. J'avais pas trop compris, du coup, d'où ma question un peu bizarre. Non, c'est des JR. Excellent. Putain, je pourrais même plus te dire lesquels, je crois que c'est des 13, ont hyper black la couleur, ça lui va bien, j'avais bien aimé. Ça va super bien avec la voiture. Quand je suis allé voir l'importateur, il m'a dit ouais, fais-moi confiance, je te mets ça. Et moi, je dis allez. Parce que je vais mettre des noirs et en fait, je regarde pas du tout. Ben ça va bien avec la voiture, bah, on dirait la même couleur. On dirait. Bah en plus, ouais, ça. Là, bah là, le gris, normalement, de mémoire, c'est le Olympia Grey. Donc, je connais plus le code couleur qui est KV2. C'est le gris le plus rare sur Sky. En général, t'as plus le gris style, bon vieux gris alu, qu'on voit le Silver Sonic. Et celui-là, c'est le plus rare. Ok. Okay. Voilà. Le gros Patator. Toujours. Obligatoire. Toujours, mec. Comme sur les Subaru. Toutes les Japs, elles sont quasiment. Toutes les Japs, c'est vrai, même les MX5, on met des Patators. C'est mieux, en fait. C'est mieux ? C'est mieux. C'est vrai. Non, je trouve que c'est mieux. non, là-dessus, d'origine en fait, pour sortir les 280 chevaux, tu sais, avec le Gentleman Accord, là-dessus, ils ont joué sur la pression turbo, ils envoient 0,5, peut-être 0,6 okay. D'origine. C'est une importation du Japon ? Ouais, toutes les Sky. T'as aucune Sky qui a été vendue en France. Ok. Tu voulais une Skyline, de toute façon, c'était Japon, peut-être un peu d'Australie de mémoire, Philippines. Même pas l'Angleterre ? Angleterre, 2-3 UK Spec, ils appelaient. Ah oui, mais oui. C'est des clients spéciaux, tout, c'était pas n'importe qui. Donc c'était que des volants à droite. De toute façon, t'auras jamais... les Skyline, les seuls volants à gauche que t'as, c'est tout ce qui est en Arabie Saoudite, ils les modifient. Ouais. Ils prennent des interdits de Sylvia, vu que c'est un peu le même, et ils les modifient. C'est des malades. Mais je sais plus de mémoire, c'est ils le font parce qu'ils sont fainéants, ou ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire en fait. Et tu disais quoi ? Je crois que c'est en termes d'obligation, mais tu peux avoir des tableaux de bord en fibre ou en carbone. Ouais. Mais genre, c'est 7-8 000 euros le tableau de bord, un truc comme ça. Bah c'est du carbone, hein. Ouais, c'est... Non, même si en fibre, hein. Il coûte genre... Ouais, c'est une balle, un truc comme ça. Non, mais les pièces de Sky, non, tu meurs, hein, genre... C'est bah, toutes les pièces des Japs, en vrai, hein. Enfin, dès que tu arrives dans les pièces prépa, je veux dire, ouais, Honda, même, la Honda Tax, même on connaît. Hein, les pièces EM, faut les faire venir souvent du Japon, t'as pas un gros stock, tu vois. 350Z, tu peux encore trouver en Europe, ouais, ça, t'as rien. Vraiment... Petit Instagram, qu'on fasse un peu de pub. Parce que souvent, j'oublie de faire la pub, donc je la mettrai en post-prod, mais là, au moins, j'y pense. Ben. Ça a l'air à peu près propre. Ah, c'est vraiment le compteur des japonaises, enfin des GTR comme dans Gran Turismo. C'est ça. Bah, la différence entre la GTT et GTR, c'est les trois manos que tu as au milieu. La GTR, c'est un écran, en fait. Ah ouais ? Ouais, c'est un écran, c'est un peu les prémices des R35. Et là, sur les GTT, ils sont restés sur les trois manos. Je savais pas que c'était un écran sur les GTR, tu vois. Bon, là, quoi, 110 000 km ? Yes. Je l'ai acheté avec 89 000 il y a 2 ans. Ah, je lui ai mis 20 000 bornes. Hein. Oh, ça va ? Ouais, mais ça tire. C'est fait pour rouler, hein ? Ouais, bien sûr. Oh, moi, je la garde pas chez moi à la contempler. Je la roule un max. Et c'était mon daily au début. Oh putain. Mais je l'ai tu consommes combien avec ça ? Minimum. 10 litres. Minimum, ouais, 10-11 litres minimum. Mais genre grand-père, ça rase, tu vois. C'est 2 litres 5 ? Ouais, c'est ça. Là, t'as un 600 litres, 2 litres 5 monoturbo. En règle générale, les 2 litres, ça consomme 7-8 litres. Il a besoin d'un petit coup de neuf. Waouh. Et voilà. Oh, le cache transparent, ça, c'est excellent. On a besoin d'un petit coup de neuf quand je l'ai acheté, l'aluminium. Puis ça à racheter, mais 2-3 petits détails, mais dans son jus. Tu l'enlèves, ça sert à rien. Ouais, voilà, à part ça, elle a quoi comme titre ? J'ai acheté, elle avait déjà le cône, les durites. Ouais, les durites, c'est la classe. Le hein. Petit robinet qui fait augmenter la pression turbo, là, elle est quasiment à 1 bar. Ah, parce que c'est une Westgate manuelle ? Ouais, j'ai fait un robinet, je me suis pas emmerdé avec un bout de contrôleur. 40 balles, tu vois, tu le branches. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Suspension réglable en fermeté depuis la boîte à gants. Mais du coup, si tu veux faire péter le moteur avec ça, tu peux quoi ? Ouais. Genre tu mets 15 tours. Normalement le turbo de mémoire il a une sécurité au-delà de 1 bar, il cut. Ah bon ça va. Normalement. Normalement. Donc t'as pour jamais, ça, t'as jamais essayé. J'ai mis à 0,9, on a fait. Ouais parce qu'un RV en ce moment les prix ils explosent. Ah bah tout. T'as pas envie d'en flinguer un tu vois. Et pour ceux qui demandent, oui c'est une vraie Nissan, il y a la plaque là-bas parce que t'en as, c'est une GTT, pour eux c'est pas une vraie Nissan. C'est une Nissan Skyline. J'ai le droit à des c'est une 407 recarrossée et tout, enfin. Ah mais t'en as, c'est des baisers hein, ici. C'est une vraie Nissan. Voilà, la plaque bleue en plus, c'est Japon en plus. Quand t'as une voiture, elle a la plaque comme ça bleue, ça vient de Japon. Ah, la lame Skyline, c'est d'origine ça? Ouais, en fait, alors au niveau extérieur, elle est d'origine, le pare-choc avant, et c'est un pare-choc d'origine, mais c'est pas celle qu'elle avait en sortie d'usine. C'est le pare-choc qu'ils ont sorti sur une version, alors que certains appellent Nismo, mais c'est pas Nismo le nom, je sais plus. C'est, voilà, c'est pour le rendre un peu plus agressif, parce que d'origine, le pare-choc fait encore plus gentil. Mais par c'est contre, vrai bah, qu'une GTT toute d'origine, elle fait un peu elle fait gentillet. Bah, celle-là, c'est la plus énervée un peu que tu peux faire. Elle est un peu rabaissée, elle a des petites cales, tu vois. Non, mais que... là, elle est fat, hein. Tu vois, tu la poses. Elle paraît un peu. Plus fat en vrai qu'en photo. Ouais, en photo. Hein, tu me l'avais c'est dit. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Tout le monde me dit.
Il m'avait dit, ouais, tu verras, la voiture, elle est encore plus belle en vrai qu'en photo. Abusé, non, ouais. Le cul. Le cul, c'est, t'as l'impression que c'est... Ouais, ouais, non, non, vraiment, ça, tout le monde me le dit. Il y a des voitures, elles peuvent pas être homologuées parce que t'as pas l'ancien propriétaire qui avait... En fait, c'était pas le premier propriétaire quand elle arrive en France. Je crois qu'il y a un truc, c'est mort. On m'avait expliqué, alors je sais plus trop. Mais en fait, les imports Japon, ça, c'est un bordel. Bah, c'est vraiment un truc. L'import en règle générale. Si je dois donner un conseil aux gens là qui regardent, vraiment, dis-nous tout. Passez par GTR Import ou GT Import, vraiment. Genre, essayez pas de faire vous-même. Vaut mieux mettre un peu plus de choix dans, ah bah, dans la mais caisse. Non, mais t'arrives, t'as la caisse, c'est clé en main, carte grise en main. De toute façon, en règle générale, quand t'apportes ce genre un véhicule du Japon, c'est que tu vas mettre le prix. Voilà. Donc autant, c'est clair. Il y en a, ils essayent parce que la caisse, elle était en Hollande, après elle a fait Allemagne. Tu peux. Mais en vrai, il y a tellement de surprises, si vous n'êtes pas trop calé là-dedans, autant franchement passer. Moi, je suis passé par GTR Import, qui est très typé Skyline, Sylvia, tout ça, Nissan. Et t'as GT Import dans le sud, que je connais bien. Hein. Oui, Anthony. Voilà, Anthony, qui lui, en fait, et aussi, lui fait un peu tout, tu vois. S'il y a vraiment deux sociétés, je dois citer, vous prenez ces deux-là, le plus proche, voilà, franchement. Il y a quatre places à l'arrière, tu disais? Ouais, alors, c'est du... moi, j'appelle ça 2+2, c'est-à-dire qu'à l'arrière, tu mets un petit nain, comme une moi. Personne coupée en deux, tu vois. D'accord. Donc lui qui fait 1m92, ouais, il va pas mourir, mais tu fais pas 300 bornes. Il aura les jambes dans le plafond. Tu fais pas 300 bornes, tu vois. De plus petit que ça. Non, ça se fait, tu vois, ça se fait grave. Bon, d'accord. Si t'es ok, on y va. Vas-y, tu la démarres, tu es écouté derrière. Oh, alors, bah, pas, bonne idée. Je sais pas si elle ferait un cold start avec la chaleur qu'il y a. Je ne pense pas. Le moteur, il était chaud, gros. Donc je ne pense pas. Quand je l'ai touché, il était bouillant. Les blocs alu. Ça reste à RB, c'est pas le 26, mais ça reste à RB. Voilà. Ça fait le tuning, cousin. Voilà. C'est quoi ça? Bien un affût, ça fait le tuning. Oh là là. Ouais, c'est un avion. Mais c'est le turbo qui fait ça. Ouais, elle charge tout, à 2005, t'as déjà tous les watts. Ah putain, ouais, ça change plutôt qu'une soube. Ouais, t'as le 600 lignes qui t'aide un peu. Hein. Soube, c'est 4000 tours. Hein. Ouais. Bah après, tout dépend, c'était turbo d'origine. Ouais, tout d'origine. Putain, ça charge tard. Oh, t'as vu là, T'as une dump ou c'est d'origine? Ouais, non, petite dump valve greedy. Petite dump valve greedy. Ouais, y'a quoi dans le coin? Bah là, juste derrière, t'as une 33 GTR V-Spec, c'est un voisin à moi qui l'a. Ça va, y'a pire. Voilà. C'est un petit turbo que t'as, non? Ouais, il charge. Il charge tôt, mais. Il charge tôt, il donne un peu ce qu'il veut. Bah t'as 300 bourrins, franchement. 300. Ouais, t'as pas envie, j'ai pas envie de faire la course aux chevaux de toute façon, ça coûte tellement cher maintenant ces moteurs à préparer et tout. Ouais bah si tu le pètes c'est la merde. Hop là, glissé. Ah dans les tours ça marche vraiment bien. Senti un peu la petite glissouille là? Non. Ah ouais j'ai senti, c'est elle a un peu chassé du cul. Mais elle le prend bien, t'as un bon châssis tu le sens. Alors là j'ai le TCS allumé donc en fait si elle part, t'as juste en fait un papillon qui se ferme à l'avant à l'admission et elle broute, tu sais. Yes. C'est pas les freins, y a pas de gestion de freins. Mais comme c'est une technologie d'époque, parfois il fait sa vie. Mais du coup, ouais, c'est différent parce que ça charge tôt, mais ça charge tout du long. Et ça charge 7000 tours. Hein. Waouh. Et le flingue. Ouais, d'accord. Ouais. Non, on marche bien. Ça commence déjà à causer, tu vois. Bon, je le compte en 180, ça va être frustrant de ouf. Bah, tu cherches les kilométrages. Quand tu vas vite. Les kilométrages. Ouais, l'aiguille elle va en dessous, tu sais plus à combien t'es à plus de. Ah, elle va en dessous. Bah, en fait, parce qu'au Japon elles sont bridées à 180, mais celle-ci est débridée, tu vas à 250, 60, tu vois. C'est honorable. Ouais, bah, pour une caisse qui a plus de 20 ans, ouais, tu vois. Et pour différencier une anglaise et une japonaise, les anglais. Les clignotants. Voilà, c'est ça. Les clignotants à gauche, là, à droite, tu vois. Donc, c'est une vraie japonaise. Dans le petit vieux, il a dû voir flou. Côté, on a pas l'impression d'aller vite. C'est dans la Lexus, hein. La Lexus c'est encore pire. Mais de l'avion, on va le fumer l'avion là, beaucoup pas. Il est pas sur le TGV, cousin. Non, ça marche très bien. Ouais. Mais c'est complètement différent de tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. Ouais, c'est encore. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien chez les japonais, ça peut être parfois un peu, tu sais, moteur, turbo, Atmo, ils
j'aime bien cette voiture vraiment parce que je ressens tout dans toi, le levier de vitesse, la manière dont il vibre et tout. Ça tient. Hein. Effectivement. Tu vois, quand je te dis que ça tient le carreau, elle glisse, mais je veux dire, elle reprend, tu vois. Là, je ressens, hop, ça repart. Qu'est-ce qui me fait le machin là? Le Ronin, il a pris trop de jeu dans la tronche. Voilà. Ah oui, il avait pas kiffé. Je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas, mais en fait, ça marche super fort. Je sais pas si c'est moi qui suis complètement marbré. Dépasse la mytho là quand on lui explique que ça marche. Voilà. Ouais, non, non, mais je sais pas, il y a une. Soit je suis blasé, soit il y a une sensation bizarre. Ouais, c'est pas. De force, c'est très bizarre, ça marche super fort, mais t'as l'impression que. Ouais, c'est un train. Ça, c'est oui, aussi, c'est ce son. Tu vois. Ça, c'est linéaire, mais c'est un train. Mais après, t'étais dans une Integra juste avant, c'est normal, tu vois, tu as l'opposé. Oui, c'est ça. T'as une Integra, on leur a dit, bah écoute, à 4000, on met du tabasco. 6000, on met du tabasco dans ton moteur. Ça charge ultra tard. Tu vois, mais on met du tabasco dans ton moteur, tu vois. Mais oui, grave, mais j'ai trouvé en fait ces sensations de train, ça avance super vite. Ah oui, c'est fait pour, mais mec, c'est fait pour. En fait, comparé à une Supra, tu vois, une Supra où en ligne droite, ça va, tu la prépares, ça atomise vraiment pas mal. Ça, c'est pas fait pour la ligne droite. Ça, moins, ouais, là, on est sur un entre. Et ça se sent, en fait, ça se sent vraiment. Bon, allez. Bien l'intérieur. Oui. Bon, allez. Est-ce qu'on fait. Oh, le bruit. Le bruit est dingue, par contre. Ça vaut pas le 26, mais on est déjà sur un super son, tu vois. Oh, bah, et le 25, c'est un super moteur, tu vois. T'as les mecs, n'empêche. Tu te fais souvent mettre des pouces dans la rue. Enfin, je... Ouais. C'est une voiture, alors malgré que ça pas, tu vois, la gueule, tu vois les Ferrari, tu sais que c'est une Skyline R34, mais pas savant, ça peut te laisser un peu dubitatif. Sauf pour les passionnés, vraiment. Non, voilà, ils vont reconnaître, tu vois. Et en fait, le gris, comme j'ai un peu le même gris que dans le 2, ça passe bien, tu vois. Il y en a plein qui me disent, mets les bandes bleues. Allez mourir, s'il vous plaît. J'avais même pas fait gaffe que c'était. Oui, mais c'est vrai. Si c'est un peu le même, c'est si pas exactement le même. Si tu mets les mêmes, oui. Non, ça m'intéresse pas de faire une réplique, tu vois. Bah. Là, elles sont un coup, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, la 3 elle s'arrête jamais. Ouais, non, elle tire. Il y a que 5 vitesses, mais elle tire bien les vitesses. Elle tire bien. Non, vraiment, moi c'est un mood cette voiture. Tu mets un dans de sac Kuduro, tu mets du fast, tu vois, ça passe crème. Tu mets du quoi? Tu mets dans de sac Kuduro, la musique de fast and furious. Ah oui. T'es dedans, tu vois, c'est, moi sur cette pièce, ça me donne 2 ans après, tu vois, ça me donne toujours des frissons. J'ai fait monter une fois un mec, il a pleuré, tu vois. Ah ouais? Mais il était là, c'est un rêve. Ouais, parce que c'est la première qu'ils voient, tu vois. Oui, c'est sûr. Ils sont là, mais mec, je pensais mourir et ne jamais en voir une, quitte à où j'aurais dû aller au Japon. Toi, tu viens, bah tu leur montres, tu vois. Et moi, je suis toujours quelqu'un, j'ai bien aimé faire partager, tu vois. Oui, c'est clair, bah c'est le partage. Ouais, c'est pareil, j'ai une pote, elle a racheté une Supra à 600 chevaux, on l'a deux, bah les gamins, ils sont comme des fous, tu vois. Ils voient Sky Supra se suivre, ça arrive. Un gars, il m'a dit, c'est bon, je peux mourir demain écrasé par un bus, je suis content, tu vois. Mais enfin, pas, mec, ça me ferait chier. Je vais te faire écouter la Wastegate en ouvrant le capot, si tu mettras devant, tu vas bien entendre. La Wastegate. Exact. Il fait chaud dehors, mon dieu! Ça fait peur de l'extérieur, mec! Et de derrière, mon pote, t'imagines pas? Alors. Ça fait peur de dehors! Ça souffle? Eh, hey, Godzilla! Non, c'est que la 2. Non, que la 32. Alors, monsieur de Cardon! Eh ben écoutez, je suis très occupé actuellement, je suis en train de bosser sur la future vidéo! Ça, c'est à YouTube Money, ça? Oui! Chauffeur à Deauville, s'il vous plaît!